Salut à tous et à toutes, c'est Zylanord et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les mecs. On est de retour sur Call of Duty Mobile. Donc je vous avais dit, j'allais faire une vidéo si je décidais de craquer, si je décidais de faire le tirage néant. Et donc vous pouvez voir 15 000 en fait code points dans mon compte. Il n'y a jamais eu assez, il n'y a jamais eu autant de code points là, vraiment les mecs dans mon compte. C'est la première fois que j'ai eu autant de code points. J'ai jamais vraiment acheté de skin à proprement dit. En fait, bon, je pense que j'ai jamais acheté de skin tout court si je regarde dans mon équipement, dans mes skins rapidement. C'est vraiment, je pense, tous des skins qui ont été donnés pour le Battle Pass ou avec les défis ou quoi que ce soit. Ouais, en vrai, c'est mon premier skin, les mecs, que je vais payer. Et la cordite, c'est vraiment une arme que j'aime. Alors, il y a les deux autres tirages, donc celui-ci avec la RUS, mais bon. La RUS, c'est une arme que j'aime bien, mais bon, voilà, c'est pas elle que je veux, ok, c'est pas elle que je veux. Puis elle aussi, elle est bonne, mais je suis pas très bon au snipe, vous avez pu le voir dans mes vidéos sur ce sniper, mais bon, voilà. C'est une bonne arme, pareil, regardez, c'est quand même beau aussi, mais bon, voilà. Ah, vraiment, c'est le tirage néant qui compte pour moi, là. Oh, putain, regardez quand... Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, c'est beau. Bon, déjà, vous pouvez voir, en fait, que j'ai déjà 3 des items, parce que je l'avais déjà fait. Et un truc qui est vraiment intéressant. Alors, cette arme, j'ai quand même mis 240 balles, hein. 240 balles pour cette arme, hein. Et le truc avec cette arme, c'est que... Qu'est-ce qui est bien? C'est que si on va dans mon équipement de classe, par exemple, vous pouvez voir que là, pour l'instant, j'ai l'eau d'armes 0 d'activé, juste à droite, donc en haut à droite. Et donc, quand tu cliques là-dessus, qu'est-ce que tu peux voir? Donc là, on va aller sur celui de la 0G. En gros, qu'est-ce que ça va donner, en fait, que tout simplement, tu ailles... simplement 3 de ces objets, donc tu as la cordite ou et que tu as la mine et que tu as aussi le pistolet, ça va donner 25% plus d'XP en multi, 10% de plus d'XP dans le battle pass, et également ça va te donner le petit cadre qui est vraiment stylé. Regardez, il est animé. Oh waouh. Donc au final c'est 250 balles, mais t'as pas juste l'arme, au moins c'est ça, c'est déjà ça. Bon voilà, on va le faire, on sait qu'on va l'avoir, oh, peut-être avec un peu de chance on va l'avoir direct. Non, voilà, c'est ça, c'est de la douille. En vrai, je suis même pas sûr si j'en aurais assez. La vérité, les mecs, je suis même pas sûr si j'ai assez de code points. Je suis pas sûr, j'ai pas calculé combien il m'en fallait. Ça, vraiment, je l'utiliserai pas. Vraiment, la seule chose qui m'intéresse dans tout ça, c'est la cordite. Et la RPD aussi, quand même. La RPD a vraiment un beau viseur, sincèrement. Genre, il est vraiment stylé. Bon, ben voilà, on a la RPD. Donc, ouais, en gros, la RPD... je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ici, mais regardez, elle a un viseur, vraiment, un viseur holographique intégré presque. C'est un viseur intégré. C'est futuriste et j'aime ça, en tout cas. Allez, 2000, ah putain que c'est cher, 2000, la vérité, puis je vais avoir le pistolet en plus. La vérité, si j'avais eu la cordite direct, j'aurais dit, ok c'est bon, j'arrête. Oh là là, putain, ouais, je pense que j'en aurais assez là, ça va coûter 3000 et après ça va coûter 4000. Ouais c'est ça, 3000, j'aurai le perso et ensuite 4000, ah c'est cher, je vous dis 240 balles, hein. vous faites pas ça, moi je l'ai fait parce que ça fait longtemps que je voulais une arme, et donc voilà, ça c'est l'occasion, mais bon là il me reste 3000 code points, c'est bien, mais vous faites pas ça hein, les mecs. Ouf, oh elle est belle, en fait faites ça si vous avez envie, si vous avez vraiment envie d'avoir l'arme et que voilà vous aimez vraiment la cordite ou quoi, mais... Oh là là, elle est belle. Oh, elle est belle. Ma première arme légendaire. Vraiment, ça fait longtemps que je voulais une arme légendaire. Et j'étais pas trop fan, en fait, de payer 250 balles. Mais bon, à un moment donné, tu craques. Hein. À un moment donné, tu craques. On va aller direct mettre ça direct. Ah ouais. Non, vraiment, c'est trop stylé. Je trouve stylé. Et l'arme est encore plus. Où est-ce qu'elle est? L'accord DJ Roger. Oh là là. Oh, elle est stylée. Donc, je vais tout de suite l'augmenter niveau, niveau 12. On va le faire direct avec... Bah avec tout, hein. Je sais pas combien ça va en utiliser, mais... Ah ok, pas tant pire. Bon, bah voilà, déjà niveau 12, on va l'équiper, on va mettre... je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? En vrai, je sais pas. On va mettre... ouais, rechargement rapide, ça c'est important. Moi, je mets toujours poignée sur presque toutes mes armes, donc on va la mettre. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre, hein? Vraiment, je sais pas qu'est-ce que je mettrais. Je pense qu'on va essayer avec cross, hein. Ça n'a pas vraiment besoin nécessairement d'une cross, mais bon. Je vais pas mettre de viseur, juste parce que j'ai pas envie. Et donc, on va faire un petit gameplay également avec. Il faudrait peut-être que je mette aussi ça pour profiter. Voilà. Du lot d'armes. Voilà. Donc, il est activé. Vous pouvez voir. J'ai 25% plus d'XP et 10% plus d'XP de Battle Pass également. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. J'aime ça. Donc, on va aller direct en multi. En espérant pas tomber sur une game où je vais me faire défoncer. Tant qu'à y être, on va aller en rust.
Normalement, on trouve des parties assez rapides. Voilà, c'est ça. Rapidement, en Rust. Oh merde, disons, je vais quitter, putain de merde, je vais quitter. Bon, voilà, on a trouvé une petite game, et oui, une petite game. Alors, bon, là, ça fait quelques jours que j'ai pas joué, parce que, comme je vous l'ai dit, l'école, voilà, les cours, c'est, ça va mal, hein. Y a tellement de travaux. Mais bon, voilà, je me suis dit, voilà, j'ai craqué, je voulais vraiment l'arme, et j'avais pas envie qu'elle parte sans que je l'aille. Allez, venez, venez. Bon, on va prendre le point. On va lancer ça. On est un fils de pute. Oh putain, ouais, on va peut-être partir. Donc, ouais, mes réflexes seront pas là à 100%. Ok, non, je vais aller là. Non, même pas, ok, d'accord. Non. Et je suis mort, ouais. Voilà, donc mes réflexes sont pas ultra. Vraiment là, en vrai, en ce moment. Mais vu que c'est ma première game tout court de toute la journée, en fait, depuis 3 jours. Donc, ouais, on va peut-être te tuer, toi. Et on va. Tuer toi aussi. Vraiment, regardez, vraiment, c'est tellement stylé le mec qui se fait attirer dans ce trou noir, c'est vraiment stylé. Donc voilà, bon là maintenant mon arme a commencé à être animée, donc c'est à chaque 3 kills elle va être animée. Je sais pas s'il faut être en série, toi tu vas mourir, ou ok j'ai failli crever, ok on va peut-être se reculer. Puis aussi mon arme, mon nom et un effet, ouais, putain. Ouh là là, tu calmes. On va mettre ça. On va mettre ça également, juste pour pas se faire repérer. Vu que c'est pour moi l'un des meilleurs trucs dans ce jeu. On va faire son fils de pute. Ok. Non. Et en plus. Oh putain, j'avais même pas remarqué que j'avais assez. Que j'avais eu assez de kills pour débloquer la variante au complet. Vraiment, j'ai pas remarqué. Quoi? Oh, il y a un mec qui était là-bas, je l'avais pas vu. Oh, dans le fond. Ok. Mais vraiment, ouais, vraiment, on va mettre ça direct. Hein, comme ça. Oh, j'aurais peut-être pas dû le mettre en vrai. Ouais, j'aurais peut-être pas dû. On va prendre ça au truc. Tant qu'à y être. On va montrer à quel point je suis nul à chaque l'annihilateur sur chaque Call of qu'il a. Ouais, j'ai toujours été à chier avec. Ça change pas sur celui-là. Et merde. Ouh, d'accord. Quoi? Ok, d'accord. Au moins mon hélico m'a sauvé pas mal de fois. Hein. Y'a un mec là? Ouais, y'a un mec. Ok, d'accord, toi t'es mort. Bon, la vérité, je vais pas prendre ce point. Hein. Voilà, c'est ce que je disais. Allez. Bon, allez, on y va. On va aller les buter. Oh, ah putain, attends, quoi? Comment il m'a buté aussi vite, la vérité? Ah d'accord, bon, la fin de la game. Ah non, c'est la fin de la manche. Ok, d'accord, c'est vrai. On est en domination, on est en domination. Non, en vrai, bon, là, ça fait plusieurs jours que j'ai pas joué. Mais en vrai, pour un mec qui ça fait beaucoup de jours qu'il a pas joué, bah, en vrai, l'arme, elle est bonne. Hein. Ok. Ouais, aussi, les mecs, c'est des bots. Quoi? Ah, oh, c'est l'annulateur, ok, d'accord. Les mecs, c'est aussi des bots, hein, la vérité. Allez, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Bon, allez. Bon, il y a beaucoup de gens qui étaient genre, ouais, non, la HBR est meilleure. Ouais, bon, la HBR est bonne, mais en vrai, je pense que. Elle est trop hypée. Je pense que c'est juste ça. En vrai. Elle est pas ultra non plus OP, hein, les mecs. La HBR. Allez, viens, viens, viens. Ok, on va peut-être se coucher. Ouais. Ok, d'accord. On va mettre ça là, ok, on sait jamais. Et ouais, ils sont tous là. Ouais! Je me suis fait défoncer par la canne. D'accord. On va y retourner. Voilà. Il y a un mec derrière, hein. What? D'accord, je sais pas. Bon, lui, je sais pas comment il fait pour toujours me buter. Allez. Ah, d'accord. Pourquoi pas. Ok, là j'ai peur. On va lancer ça parce que j'ai peur, ouais. En vrai, j'utilise jamais les mines, mais c'est juste parce que je veux avoir le 25% de plus XP, la vérité. Ah, c'est des fils de pute. Ils m'ont fait utiliser les mines. Il y a un mec, deux mecs là. Ouais, bon. Au moins on gagne. Au moins on gagne. C'est vraiment mon équipe. Elle me carry en ce moment. Ok, non, je vais peut-être pas aller là. Je vais peut-être pas aller là. On va peut-être prendre ça. Il y a pas un mec qui. Ouais, je pense qu'on va peut-être partir par là. Non? Bon, pourquoi pas. Ok, d'accord. Tu vas te calmer, toi. Non. Ok. On va aller là. On va essayer de les attendre. On vise. J'ai pas eu, pourquoi pas. Lui, je l'ai eu, pourquoi pas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mec qui veut se repointer? Ok, derrière. Oh, j'avais pas vu. Et là, il faut vraiment que je reprenne l'habitude de. Il y a un mec là. Voilà. Oh, putain. Non, je vais m'en aller là. J'ai pas envie de mourir. On va aller par là-bas. Ok, mais pourquoi où est-ce que je m'en vais? Toute l'équipe est là. Ok, ouais, non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée, hein. Je vais crever, hein. La vérité, ils sont pas cons, eux.
Ils sont peut-être en train de perdre, mais ils sont pas cons. D'accord. Ils sont où? Ah, ils sont là. Je les avais pas vus. La double qui passe pas. Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Mais ouais, vraiment, la petite orbite autour qui tourne et tout, le skin animé et tout, vraiment, ça vaut le coup. Hein. Pour moi, je pense que c'est le meilleur skin du jeu. Après, c'est les goûts et les couleurs. Mais bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si vous l'avez aimé, malgré que j'ai eu un gameplay de merde, parce que putain de merde. Ça fait des jours que j'ai pas joué, les mecs, ok? Il faut m'excuser. Parce que avoir mes gameplays quand je fais des commentaires, vous savez que je peux faire mieux que ça. Bon, quand je fais des gameplays en live, c'est tellement... Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais des gameplays en live, je suis concentré à parler, donc je suis pas trop dans le truc, mais vraiment, je peux vous dire quand je suis concentré. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si vous l'avez aimé ou si vous abonnez à ma chaîne pour avoir plus de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!